Alors, petite vidéo de présentation du Rod King classique modèle 2011, modèle très optionné. Donc en 1700 avec le 103 cubique ABS, beaucoup d'options sur ce modèle, beaucoup d'accessoires montés d'origine par le propriétaire qui me l'a prêté, que je remercie au passage. Je ferai une petite vidéo pour un petit coup de gueule pour les accessoires. Sinon, Rod King, très maniable, super machine, très agréable en ville, prise en main évidente, bas. Vraiment, on sent pas le poids, c'est bluffant. Freinage, très agréable. L'ABS, très rassurant. Confort royal, c'est l'option là. Très confortable, le dos serré, pas mal. Avoir à l'usage. Pratique. Bon, il se replie pour monter. Hein. Pratique, confortable. À voir sur les longs trajets. Alors, bon, niveau sacoche, c'est un Rod King. Hein. Donc, pas pratique du tout. Pas logeable. Chiant à fermer. Surtout avec les barres de protection. Voilà. Crochet mal placé derrière. Donc, on les laisse toujours ouvertes. Et absolument pas logeable. Bon, petite roue de 16 pouces, contrairement aux autres Touring de la gamme qui sont eux équipés de 17 et maintenant même 18 voire 19. Donc un peu plus vif, un peu moins précis sur l'angle, mais on s'y fait. Éclairage avec les passing lamps optionnels, très très bon, agréable la nuit. Voilà, une moto très agréable. Le moteur est stock là, hein, il n'y a pas de cartographie, les pots sont d'origine. Il a 17 000 km, donc il est super bien rodé. Et franchement, stock, on s'y fait, hein, c'est juste ce qu'il faut. C'est plein partout, ça reprend très bas. Très très bon moteur, on se demande même si dans le fond il en faut plus. Hein, bon twin cam 1800 1700 bien rodé et puis dans le fond ça suffit en configuration d'origine. Voilà, moto très agréable, très très agréable, pare-brise fourni en série, là il n'est pas monté. Et ben, un bon compagnon de voyage, je comprends qu'il y ait tant d'amateurs de ce modèle.